sachant que Up aujourd'hui il écrit encore une page de l'histoire des cons. Ouais, bah, le cheval confirme hein, de toutes les performances qu'il a fait, soit dans le Critérium, dans le Prix d'Amérique et tout. Le cheval en plus était encore frais, je pense qu'il était encore mieux qu'avant le Prix d'Amérique. Le cheval était vraiment bien, non, c'est un crack. Hein. Il bat le record de l'épreuve. Bah oui, bah, c'est vrai qu'il bat le record. Et puis il a eu besoin de personne, il a pas. C'est lui qui a fait le boulot, non, c'est vraiment bien. Quand on entraîne un cheval de ce calibre-là, est-ce qu'on se sent fort? Non, c'est les chevaux qui mettent les entraîneurs forts, c'est pas les entraîneurs qui sont forts. Si on n'a pas les chevaux, on n'est pas fort. Et puis il y a également la superbe deuxième place d'Anamix. Elle a dû te faire peur en partant, elle a bricolé un petit peu. Non, mais elle est toujours hésitante en partant, elle fait un peu toujours ça. Et elle a mis un à se cadencer, puis après, une fois, c'est un rouleau compresseur, plus elle va dans le parcours, mieux elle est. Et c'est une jument dure qui est bon, peut-être pas endurcie encore par rapport à cela. Elle a couru que 21 fois, mais je pense qu'à l'avenir, elle pourra aller avec cela sans problème. Qu'est-ce qui t'a incité à venir sur le Prix de Paris avec elle? Bah, je sais que c'est une jument qui respire bien et que longue distance, c'est vraiment une jument dure qui longue distance, ça n'allait pas la déranger. J'ai dit je tente le coup, je savais que Franck ferait pas n'importe quoi. Donc si c'était trop dur, il aurait arrêté. Ça s'est bien passé, c'est bien. Pour en venir à Up & Quick, est-ce que... je vais pas dire que le Prix de France te reste en travers la gorge, mais ça aurait été un triplé historique pour lui. Hein. Bah, c'est vrai, ça aurait été top. Voilà, le cheval a voulu faire trop vite d'entraîner une droite, c'est comme ça. Le cheval était bien, mais bon, voilà, c'est fait. On s'est rattrapé aujourd'hui. Plus de hier, à l'avenir? Non, on va les enlever, ça sert à rien. Julien, une nouvelle fois Texas, ça a été bon. Oui, il a été très bon. Le cheval, il a fait une bonne course. Il a sa place. T'as marqué pendant toute la course le favori? Bah ouais, j'ai eu le bon dos. J'étais à 2, Pun Quick. Après, j'ai eu Anamix. C'était les deux chevaux de la course avant le coup. Et puis après, Anamix m'a ramené. Puis, entre une droite, je croyais que j'allais venir la refaire. Puis, elle est repartie avec moi. Donc, le cheval n'a pas démérité. Il s'est un petit peu cassé dans l'année tournant, non? Ouais, il fait toujours ça un peu. Puis, en plus, on s'envoyait au large. Et puis, mais bon, il a toujours fait ça, un peu se casser dans le virage. Mais j'ai pas perdu de temps. La suite de son programme, c'est ce qu'on pense au Critérium de vitesse par exemple? Ouais, là il va faire un peu de vacances et puis après on va voir comment il récupère, s'il a bien récupéré, s'il a besoin de plus ou moins. Puis après il va refaire comme il faisait d'habitude, Critérium et puis les Ducs et le René. Sébastien, c'est Valco Genila qui sauve un petit peu l'écurie dans le Prix de France. On n'a pas eu trop de chance. Après Roxane, elle n'est pas trop de ses aises en descendant, donc il est obligé de la reprendre et elle est au galop, pas trop de place. Donc on n'a rien vu. Comment il s'appelle, Villeroy, pareil, un peu trop de gaz, il s'est trotté gros. Et donc il a fait la faute, mais ça peut lui arriver. C'est un cheval qui a du sang. Et puis monter l'autre jour, ça lui a donné un peu de peps. Donc on n'a rien vu non plus. Je pense qu'il aurait pu être comme une fille d'un bourg, voilà. Je pense qu'il aurait pu être cinquième. Roxane aurait peut-être lutté pour la quatrième, troisième place, je pense. Les jumeaux étaient bien. Et puis Valco, il fait sa course, il est sixième. Voilà. Sans artifice, fier des quatre, il fait une super course. Il y a eu un petit moment sympa, c'est quand Roxane est rentrée aux écuries, le public l'a applaudi, je ne sais pas si tu as fait attention à ça, c'était un beau geste. J'ai pas fait attention, voilà. Après c'est con parce qu'on n'a rien vu, quoi. Donc voilà. Ça a fini ses groupins un peu en queue de poisson, quoi, parce que premier distancé après, pour allure, et puis là pour une faute dans le parcours, donc ça lui arrive rarement, mais c'est comme ça. On pense pas du tout au Critérium de vitesse? Je sais pas trop, c'est pas trop son truc, alors après ça dépend si on a le 8 ou 9, enfin jamais être que 7 je crois, donc si on a le 7 au star, ça va être compliqué, je sais pas trop. C'est pas trop... Vaut peut-être mieux attendre le mois d'avril pour que un groupe de montée qu'on avait gagné l'année dernière, donc on verra bien. Et ta femme, qu'est-ce qu'elle va dire encore? Pourquoi? Bon, Franck-Anne, vous avez pas drivé la plus belle course de votre vie, mais bon, la jument était bonne quand même. Encore une, ouais, mal drivée, mais la jument était bonne. J'ai pas vu la course. On parle de Guy Vanika. T'as bien vu la course. Et objectif Critérium de vitesse, Franck? Ah oui, là on est sérieux. Ouais. On enlève les chaussures et puis on va en tongue, c'est la Côte d'Azur. Pécam. Faut un bon numéro, tirage au sort. D'accord. Tu connais du monde à Cannes pour avoir un bon numéro? Franck Vanika, qu'est-ce qu'on en pense? Vanika, on essaye de préparer au mieux pour le Critérium de vitesse. Donc là, un tour bien. Je vais faire un tour pour laisser un peu rythmer la jument. Ensuite, bon, on prend tous les dos qu'on peut, faut pas gêner les autres. Et elle a fait son parcours 3005 bien. La dernière montée, un peu dure pour elle, deux fois la côte. Faut tout mettre de notre côté les 15 derniers jours. Quoi. Et dans le dernier tournant, on sentait qu'elle manquait. Voilà, elle manquait. Puis en plus, bon, j'avais plus trop de place. Moi, David Thomas venait pour faire le mieux que moi, donc j'ai laissé passer. Mais on sent que le haut du col est trop dur deux fois. Déjà, une fois, c'est dur, mais deux, c'est cata. Le Critérium de vitesse, ça arrive à grands pas. Est-ce que tu crois vraiment que tu vas être dans le bon timing ou là pour le moment tu es dans le doute? Bah, déjà la faveur c'est la piste plate, ça, c'est bien, la distance, tout est bien pour elle. Maintenant le numéro va être très important parce qu'on est juste en préparation, on n'a pas des 1000 d'avance. Donc si j'ai un numéro de 1 à 5, c'est bien, au-dessus de 5, il va falloir forcer, donc c'est moins marrant.
L'année dernière, tu pensais à l'étranger avec elle. Est-ce que c'est toujours d'actualité pour 2015 ou pas du tout? Il faut voir tout le programme en France. Il y a Enghien, il y a Argentan, il y a Caen. Si on arrive à faire en France, je vais rester en France. Après, l'étranger peut être valable si elle s'en sort très bien à Caen. Cédric, qu'est-ce qui se passe avec Ulan Duval? Le cheval est fatigué de son meeting. Le cheval était un peu tendu, trop tendu derrière. Il tirait sur 4000 mètres, ça pardonne pas. Déjà la dernière fois il courait pas bien, et est-ce que tu as une explication? Je pense que avant tout le fait de l'avoir couru déféré dans le Prix d'Amérique, ça y a pas fait de bien. Le cheval n'était pas du tout la même action la dernière fois. Là dans les allures il était mieux le cheval, ça allait, je veux dire il était bien souple. Mais le cheval, bon, il est sur la brèche quand même depuis le mois d'octobre en plus. Au boulot il me paraissait pas mal, mais bon, faut se rendre à l'évidence, le cheval il a besoin de vacances. Donc vacances, et on pense à quoi alors maintenant? Le René Balière peut-être, ça sera l'objectif de l'été? Oui, voilà, on va préparer ces courses-là pour cet été, quoi. Il fera sa rentrée sûrement au mois de mai. Allez, go. Gabi, Villeroy au galop, qu'est-ce qui s'est passé? Le cheval il s'est contrarié un petit peu vu le train pas soutenu. Voilà, tout simplement, hein. C'est des chevaux qui sont habitués à des courses assez sélectives, du coup ils ne comprennent pas trop, le cheval il a bien travaillé derrière. Déjà le premier tour en montant, il a failli me la faire parce que le train n'était pas du tout soutenu. Et devant les tribunes, pour le premier passage, j'ai essayé de le temporiser un petit peu dans le dos de Francane, mais le cheval il m'a pris la petite foulée, voilà, foutu. On efface tout, on recommence? Ouais, voilà, exactement, il va en avoir d'autres, le cheval il est en forme, pas très grave je pense.